Ce qui est important, c'est que la délégation soit composée des différentes composantes de notre pays qui vivent là-bas. Parce que j'ai toujours dit que la Guinée, c'est comme une voiture à quatre roues. S'il n'y a pas une roue, la voiture ne peut pas marcher. Les Eurocoréens viennent de donner cet exemple. Nous devons remercier les sages du Eurocoréen et prions Dieu pour que toutes les préfectures fassent comme Eurocoréen afin que la paix et la concorde nationale règnent en Guinée. Je toujours dit que la Guinée a besoin de la paix. Et la forêt, plus que quiconque, connaît la valeur de la paix. Parce que la forêt fait frontière avec le Libéria, la forêt fait frontière avec la Sierra Leone. Et nous savons combien ces deux pays ont connu une guerre civile longue. Nous souhaitons que, comme le serment de convivialité a été renouvelé entre les ethnies en Guinée, nous souhaitons que la même chose existe de nouveau entre les Pélé et les Manon, des deux côtés de la frontière, au Libéria et en Guinée. Parce qu'il est très important que les communautés vivent en paix par-delà les frontières entre le Libéria et la région forestière, entre la Sierra Leone et la région forestière. À la dernière réunion que nous avons eue à Monrovia, les quatre chefs d'État présents avaient tous un souci. C'était la sécurité des frontières à cause de la circulation des armes légères, surtout après la guerre, l'affrontement en Côte d'Ivoire, où beaucoup de réfugiés sont venus au Libéria, mais aussi en Guinée. Donc, il est très important que nos peuples, à travers ces frontières, se donnent la main. Concernant l'attaque perpétrée contre son domicile qui visait sa propre personne, le président de la République s'est adressé aux sages de la région de Nzérékoré en ces termes. Ceux qui ne veulent pas de changement, beaucoup sont dehors et ils veulent créer la pagaille ici. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on s'entretue, qu'on dise voilà, la Guinée n'est pas stable. Parce qu'ils ont pensé que la Guinée ne va pas s'en sortir. Oh, ils voient que les bailleurs de fonds viennent tous les jours, tous nos hôtels sont pleins, il n'y a pas de place, les gens sont décidés à venir. Mais vous savez que l'argent a peur du bruit. Dès qu'il y a un peu de trouble, l'argent ne vient plus. C'est pourquoi dès le matin, je suis intervenu pour dire que je ne veux pas de manifestation, chacun n'a qu'à aller à son travail. Pensons, on se connaît en Guinée. Si jamais les gens avaient entendu le nom à la radio de telle personne, c'est sûr que les autres allaient s'en prendre à son ethnie. Et c'est ça que les autres voulaient, pour qu'on dise, vous voyez, on est en train de nous massacrer en Guinée, parce que c'est la campagne qui mène. Mais grâce à vos prières, grâce à vos sacrifices, chacun a vaincu à son travail et personne n'a touché personne. Nous avons dit aussi que nous sommes dans un état de droit. Donc, nous respectons la loi. La justice est en train de faire son travail. Mais on a permis à la Croix-Rouge d'aller voir les prisonniers, de discuter avec eux. On a permis aux gens de l'ambassade des États-Unis d'aller les voir pour voir qu'ils sont là, normal, on ne torture personne, on ne frappe personne. Mais tous les gens qui sont impliqués, qu'ils soient civils ou militaires, hommes d'affaires ou hommes politiques, il faudra qu'ils répondent devant la loi. Parce que ce qu'ils ont voulu, ce n'est pas m'atteindre moi, c'est ramener la Guinée 50 ans en arrière. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut venir en Guinée. Peut-être nous avons eu un malheur, on dit que la Guinée est riche. Quand un pays est riche, on le laisse difficilement tranquille. Mais avec votre soutien, avec vos bénédictions, je suis certain que nous réussirons le changement.